Salut les boys, ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait de vidéo sur la chaîne 64 Doctor. Donc c'est l'occasion, aujourd'hui on va apprendre à découvrir le full set Nintendo 64, les 388 jeux de la console, le full set mondial, donc 239 jeux européens, 64 jeux américains et 85 exclus japonaises. Et on va le faire en domino. Ouais, Balek. Aujourd'hui, c'est craquage total pour découvrir chaque jeu d'une manière différente. Donc, je pense que ça peut être cool. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Tout simplement parce que le full set, il est vendu. Il est bien vendu. Donc, pour faire un dernier petit délire avant de le donner, puisque c'est bon, c'est fait, le chèque de banque est là. Donc, je vous ferai une vidéo juste après. Dans quelques jours, pour vous expliquer comment vendre son full set Nintendo 64, combien le vendre, comment s'y prendre. Et je vous propose donc pour cette vidéo, c'est tout simplement la Nintendo 64 elle-même qui va lancer les hostilités. Donc bon domino à tous. Et après, on passera en revue toutes les petites étiquettes histoire de découvrir chaque jeu. Allez, c'est parti! Laisse tomber, comment ça défonce de faire un domino avec un full set mondial, quoi. Bon, allez, pour ceux qui connaissent pas, j'y vais doucement, comme ça vous aurez un petit visu sur toutes les photos, toutes les jaquettes de tous les jeux. Donc, bien évidemment, ordre alphabétique oblige, on a mélangé le français, enfin l'européen, l'américain et le japonais. Donc vous verrez des jeux que vous ne connaissez probablement pas. Vous verrez aussi des jeux dans une langue inconnue, avec des couleurs un peu étranges parfois, comme ce joli noir Fighters Destiny 2. Des jeux rares et chers. Bon, ça défonce franchement. Ça défonce, c'est le petit délire. Et donc comme je vous le disais, dans la prochaine vidéo, je vous montre comment j'ai fait pour vendre un full set Nintendo 64. Et je peux vous dire que ce n'est pas une mince affaire que de vendre 388 cartouches en un coup. Parce que c'est vrai que franchement, c'est compliqué de trouver un acheteur qui peut sortir une telle somme d'un coup. Parce qu'on parle de plusieurs milliers d'euros, vous imaginez, hein. Si déjà on prend 388 jeux et que ben, on multiplie par 10 euros, ça fait déjà 4000 balles. Donc ça va très très vite. Donc vous imaginez bien que. Ça se vend pas 25 000 euros, mais quand même, il faut allier une certaine somme. Donc forcément, ça se fait pas en 2 secondes. Il faut donner confiance à son acheteur. Il faut lui montrer que tout fonctionne. Il a fallu tout tester. Bon, j'en peux plus, je suis fatigué. Je commence à avoir de la sueur. Voilà, c'était les 388 jeux. Et forcément, on termine par Zouzoul. C'était le domino des 388 jeux de Nintendo 64. Bon les boys, je vous dis à bientôt et je vous fais une vidéo concernant donc la vente de mon full set. Allez, à bientôt!